Thank you. I give the floor to the representative of the International Service for Human Rights. Monsieur le Président, IACHR et SOSIJM saluent la collaboration continue entre la RDC et les Nations Unies, ainsi que la volonté du gouvernement congolais à s'inscrire dans l'effectivité d'un état de droit. Les deux organisations rappellent que cela n'est possible qu'à travers l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelle et la mise en place des textes protégeant de manière effective les défenseurs des droits humains engagés au quotidien pour la cause des sans-voix. C'est pourquoi nous exhortons le Sénat congolais à parachever la seconde lecture de la loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en la conformant aux standards et principes internationaux de protection des défenseurs des droits humains. En même temps, nous appelons la RDC et les Nations Unies à traduire en acte les recommandations du rapport du projet Mapping en créant un tribunal pénal spécial ou des chambres mixtes spécialisées pouvant poursuivre les présumés auteurs des crimes graves commis en RDC et de donner accès aux victimes à des réparations collectives et individuelles dont la création du fonds est imminente. Cela permettra ainsi de freiner toute personne qui continuerait d'alimenter les groupes rebelles à l'échelle nationale au détriment du peuple congolais suffisamment meurtri. Je vous remercie.